Allez, ce matin, on va parler d'un événement. Il s'agit du Earth Hour. Quelle édition? Quatrième. Quatrième ici en Algérie. Merci. Bienvenue à vous. Merci. Lamine Zellag, Merci bon malheureusement. retour parmi nous. Alors, Earth Hour en quelques mots. Petit rappel pour ceux qui nous regardent. FAO, c'est le plus grand événement environnemental au monde. Il a commencé à Sydney en 2007, donc à travers un journal et des personnes engagées envers l'environnement. Et ça a pris de l'ampleur de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Il est sur plus de 7000 villes et 186 pays. L'Algérie, on est fier aujourd'hui d'être parmi les 186 pays au monde. Entre les débuts et aujourd'hui, beaucoup de choses, l'eau a coulé sous les ponts. Alors du coup, Énormément. aujourd'hui, vous êtes un événement qui est célébré et qui est vécu dans 48 wilayas, Oui, avec exactement. d'ailleurs tous les patronages possibles et imaginables. Enfin, c'est important, hein, surtout que c'est une question hyper importante pour l'avenir, pour l'économie d'énergie, pour la lutte Exactement. contre le gaspillage, pour la protection de l'environnement. Exactement. Aujourd'hui, ou bien en 2015, on était tout seul. Aujourd'hui, il y a une adhésion des pouvoirs publics et du citoyen. Le Earth Hour, pour sa quatrième édition, il est sous le patronage de Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika et sous l'égide de la Wilaya d'Alger. Et ça démontre aussi que c'est un sujet important et qu'il est pris en charge par les pouvoirs publics et par la société civile. Il y a un message qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur à l'ensemble des walis des 48 wilayas du pays pour vous Exactement. accompagner dans l'opération. Oui, c'est une note qui est sortie hier à tous les walis de l'Algérie, des 48 wilayas, de participer symboliquement Alors, et éteindre un des symboles de la wilaya le samedi 24 mars de 20h30 à 21h30. Et ça démontre aujourd'hui que cet événement, il prend une ampleur nationale et c'est le but de notre organisation de que cet événement soit au niveau de tous les wilayas de l'Algérie. et pour Alger, Pour Alger, on va éteindre quoi? on va éteindre beaucoup de défis à partir de 20h30, en commençant par la grande porte d'Alger. Excusez-moi. Je vous en prie, à vos souhaits. Merci beaucoup. Donc, on disait que la grande poste, les plus grands artères de la wilaya d'Alger, donc des Douche Mourad, la Habib El Mehdi, il y aura l'APN, il y aura l'hôtel Ourassi, Maqam Shahid, le bastion 23. Donc, il y a plusieurs édifices. Il y a la baie d'Alger qui sera aussi éteinte. Et on aura des édifices qui seront éteints au niveau des autres wilayas. Chacun. Il va choisir un édifice symbolique à la wilaya qui va être éteint symboliquement. En fin de compte, demain, de 20h30 à 21h30, que faut-il faire? Il faut réduire sa consommation d'énergie, éteindre les lumières qui ne sont pas forcément nécessaires dans cette heure. Après, chacun est libre d'imaginer une activité à faire dans le noir, dans l'obscurité, avec une bougie ou un dîner romantique, pourquoi pas, ben oui, tout est imaginable, Chérie, demain, on mange à la chandelle. Non, mais oui, voilà, c'est bien, c'est c'est un important. exemple, Mais hein. est-ce qu'on a mesuré l'économie, enfin, pas l'économie d'énergie, parce qu'on a bien compris que votre événement n'est pas. Le but, c'est pas de le célébrer une fois par an et d'éteindre la Oui. lumière pendant une fois par an, 1 heure. Ça ne va pas changer le monde. Mais c'est Exactement. plutôt d'inculquer de nous une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de se comporter avec tous les appareils électroniques que nous dont nous disposons. Exactement, surtout avec la nouvelle génération, les enfants, il faut savoir qu'il y a plusieurs gestes qu'on peut adopter tout au long de l'année, pas C'est pour ça. pendant cette 1 heure, pour qu'on réduise notre facteur énergétique. Et parce que on parle de ce changement climatique, mais dans nos têtes, pardon, on n'est pas concerné. Mais chacun de nous aujourd'hui, il est concerné par ces changements climatiques, par la facture d'électricité. Donc on doit adopter des petits gestes. Par exemple, les chargeurs de téléphone ou les chargeurs de portable, les laisser brancher toute la nuit ou toute la journée, ça consomme de l'énergie, même si le chargeur il n'est pas placé à D'accord. l'appareil. Il y a aussi la mise en veille des appareils électroniques comme les télévisions. Donc
Vous conseillez, vous préconisez plutôt de les éteindre que de les mettre en veille. Oui. Effectivement, hein, effectivement, il consomme beaucoup d'énergie. Même si on n'est pas au niveau de la maison, on laisse le téléviseur en veille. Mais en fin de compte, si on compte tout au long de l'année, ben, on remarque qu'il y a une consommation excessive juste en laissant les téléviseurs en veille. Il y a plusieurs autres conseils. Par exemple, on peut éviter de mettre les fours à côté des frigos parce que ça donne plus de consommation électrique. Il y a aussi l'épaisseur de la glace au niveau du réfrigérateur qui, les scientifiques disent que 4 cm de gel nous donne une consommation double à la norme si on laisse le frigo gelé pendant D'accord. sur 4 cm. On va saluer vos partenaires. Ils ne sont pas nombreux, mais ils vous accompagnent quand même. Au-delà Oui. du patronage et des partenariats donc avec les institutions, il y Exactement. a l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM. La nappe, plutôt. L'ANEP, pardon. La Enfin, l'Agence nationale de l'emploi. C'est plutôt. nappe, oui, parce qu'il y a eu D'accord. un. Édition et. Il y a eu. D'accord. Et distribution. Voilà, il y a eu une campagne d'affichage au niveau du métro d'Alger et les plus grandes artères de la wilaya d'Alger pour parler sur cet événement du 24 et bien sûr appeler tous les citoyens à éteindre les lumières de 20h30 à 21h30. Il y a aussi la société de distribution de l'électricité et du gaz qui nous ont fourni justement les t-shirts officiels de l'événement et que Mahrez est en train de mettre Et j'ai maigri, hein, je pars du M aujourd'hui. Merci à vous, la Musilac. Merci d'avoir été parmi nous. On rappelle l'événement demain, 20h30, 21h30. Le camp de base à Alger, ça va se dérouler où? C'est au niveau de Ibn Khaldoun, de la Ibn salle d'Ibn Khaldoun. Khaldoun. Puis on Voilà. va descendre, Inch'Allah, la Grande Poste pour éteindre la place de la Grande Poste. Eh bien, très bien. Et Soyez nous, on le sera là-bas. bienvenu. Nous, on va tout éteindre, on va allumer le feu, tiens. On va ramener des Mahrez, torches. Merci je encore. Bonne n'oublierai chance. pas de te remercier, toi, Maryam et toute l'équipe du Avec Canal plaisir, cher Algérie, camarade. tous les médias qui sont derrière cet événement pour sa réussite. Et je dois être le seul Sadvan animateur en Algérie à avoir les 4 t-shirts des 4 éditions. Voilà, c'est réglé. Voilà. Voilà, 60 minutes pour sauver le monde, 60 minutes d'économie d'énergie pour inculquer une nouvelle manière de consommer. Ça, c'est important. C'est l'association Sidra qui est le porte-drapeau de cette opération, accompagnée bien évidemment par l'ensemble des acteurs des 48 wilayas du pays. Merci encore, la Mizellec. Merci à toi, Merci à vous. merci. En tout cas, c'était un plaisir. Quand